c'est Raptor Card, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt nickel. Donc aujourd'hui on se rejoint pour une vidéo sur Sleep Tag, je sais pas comment le prononcer mais bon. Donc voilà, donc c'est ça. Donc ici ben dans le fond c'est un jeu, j'ai fait un jeu sur ma chaîne qui s'appelait Yet Another Zombie Defense HD. Ça ressemble un peu à ça, mais je trouve ça plus cool parce que c'est... En tout cas, je trouve ça plus cool, c'est plus facile pis tout, c'est pour 10 ans. L'autre, je crois que c'est 17 ans et plus, juste à cause des zombies, mais bon. Donc, on va faire plus. Bon, j'avais commencé une game. Donc, soit on prend Easy, soit on prend Very Easy. Donc, en fait, lui, c'est juste si on n'a jamais joué. On commence avec lui, puis on n'a pas encore ce personnage-là. Mais Brooke, elle, on commence avec... Check, c'est écrit... Start White Spitfire. Puis lui, bah, c'est... Optional Tutorial Mode. If you've never played Start Here. Donc si on n'a jamais joué, on commence sur lui. Mais moi... bah, je vais prendre le jeu. Parce que, bah, voilà, je prends le jeu parce que, bah... Voilà. Oups. J'aime pas trop Brooke. Parce que son arme, je l'haïs, mais bon. Donc là, je vais faire no. Donc désolé si vous voyez pas très bien. Donc je vais tout vous montrer ça après la nuit. Bon, si je joue un petit peu moins mal, un petit peu plus mal, c'est que... En fait, c'est normal parce qu'en fait, j'ai la misère à viser, moi. Parce qu'en fait, j'ai mis ma Nintendo à côté, qui tient sur mon affaire de crayon. Et en fait, bah là, je check dans mon iPad. Donc là, la vue est pas très belle. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que je vois full bien parce que sinon, il fait full noir sur ma Nintendo. Puis avec mon iPad, je vois mieux. À cause de la lumière qui vient de ma chambre. Donc voilà, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager et commenter quoi. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc je vais refaire un épisode 2, mais voilà. J'ai failli pas récupérer l'étoile. Bon, donc là, ici, on a les constructions, donc on a juste les walls. Ici, on a les affaires qu'on peut acheter. Donc, tu sais, on peut avoir Speed Boost, Collector, ici, Torn, ici, Snirgy. Là, j'ai que Extra Damage et Overshield. Ça, c'est bon quand on a vraiment besoin de Shield, parce que sinon, au début, ça sert un peu à rien. Comme là, j'ai que perdu 3 PV, donc, tu sais. C'est pareil que les premières manches sont faciles. Après, il y a Build Health. Donc, ça le dit, Build plus 100 Health. Donc, voilà, ben, là, je vais pas le faire vu que ça me coûte un soleil. Donc, en haut, on a la nuit. Donc, c'est pas le niveau, c'est vraiment la nuit ou le jour. On a les soleils, puis les étoiles. Les soleils, c'est vraiment pour acheter pas mal toutes. Les étoiles, c'est juste pas mal les technologies. Genre ici, ça prend des étoiles, c'est tout. Sinon, ça prend pas. Bon, moi, déjà, direct, je vais acheter ça. Parce que ça, en fait, ça... Il y a 30% de chance qu'on a 2 étoiles à la place de 1 quand on tue un monstre. Donc, c'est vraiment fort. Puis après, je vais m'acheter ça quand je vais avoir 120. Dans le fond, on a un soleil de plus à chaque nuit. Puis, voilà. Donc là, je vais pas m'acheter de balles vu que ça sert à rien. Et je vais... Allez, checker pour ici, la tourelle c'est 37, ok. Voilà, donc là, je vais m'acheter pas des walls, vu que ça sert à rien. Je vais peut-être m'acheter deux fois des balles. Je vais m'acheter du shield. Puis ça, à l'écrit, coste 3 soleils et 3 nuits. Donc c'est 3 nuits dans le fond. Donc c'est assez cool. Donc voilà, je l'achète. Puis aussitôt qu'on n'a plus de soleil, on ne peut plus rien faire. Mais vous pouvez vous acheter des soleils dans ce truc-là de technologie. Où j'ai acheté mon truc pour avoir plus d'étoiles.
Donc là, c'est un check. Puis je récupère ça. J'ai eu une étoile, mais mettons que je prends ça. J'en ai eu deux. Parce que j'avais 14 étoiles. En fond, on a 30% de chance qu'on en ait deux. Donc c'est assez bien. Au début, c'est bien. Ben, en fait, c'est bien direct l'acheter au début. Parce que après, genre. Les technologies, ils coûtent genre 100 étoiles. Donc, c'est cher. Donc voilà. En gros, si je me fais fesser check quelques fois, je m'en fous parce que c'est du bouclier que je parle. Je m'en fous carrément. Mais faut, si je pars tout mon bouclier, ils vont fesser sur ma vie. Donc là, faut que j'essaye de rejoindre mon bouclier. Sinon, il aurait fessé sur ma vie, puis ça m'aurait fait de mal. Ok, bon. Spend all stone to store the map. Je sais. Donc ici, check, on peut prendre des soleils pour 20 étoiles, mais après, ça va coûter 40. Donc, c'est assez cher. Après, ici, on peut, pour un soleil, avoir 7 étoiles. Donc, c'est bien si vous voulez acheter vraiment des trucs. Ça, c'est bien quand vous faites une base et vous restez là tout le temps. Sinon, bof. Bon, là, ici, on a les affaires ici pour améliorer, genre, s'il y a le bouclier et puis tout. En tout cas, à place que ça coûte 3 étoiles, ça te coûte, 3 soleils, ça coûte 1 soleil et 45 étoiles. Mais voilà, donc ici on a les armes qu'on peut débloquer, ici on a les défenses, donc là pour le moment on n'a que ça, mais voilà, donc je prends cette recherche, on va débloquer ça, puis on a aussi débloqué ça. Bon ça, tourelle de mage B 55%, donc ça aussi c'est bon, ça améliore les damage de votre tourelle. Donc je vais placer une tourelle. Genre ici peut-être. Voilà, ici. Ou en vrai, je pourrais me faire une base ici. En vrai, j'en ai aucune idée. Je crois que je vais me faire une base plus ici parce qu'en fait, maintenant que je me fais une base ici, maintenant que je me fais une base dans le milieu, ils vont arriver de toutes les bords. Ici, 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 puis ici. Dans le fond, toutes les bords. Si je me fais une base ici, ils vont arriver ici et ici. Puis si je suis parti là-bas, ils vont apparaître derrière de ma base, mais bon, ça on s'en fout. Parce que normalement, je reste proche, je viens juste ici ou ici. Comme hier, il y a un monstre qui est arrivé, j'avais full tourelle ici, puis ils l'ont mitraillé. Bon, donc là, on peut se mettre un mur. On va se mettre un petit mur. Puis, bien sûr, on a d'autres murs que eux, mais voilà, ça, c'est les murs du début. Attends, il faut bien que je place, voilà. Ok, super, je croyais que je pouvais pas penser. Donc là, ma tourelle, elle va tirer s'ils viennent. Voilà, check, elle va tirer. Bon, là, je peux très bien protéger vu que j'ai qu'une tourelle et un mur. Mais bon, c'est normal. Au début, c'est comme ça. Puis la tourelle, elle fait pas très mal. Là. Elle fait 50 de damage. Puis check comment elle tire pas. Elle le tue, mais je me suis fait perdre tout mon bouclier. Donc, c'est mieux de l'aider quand on a une tourelle. Alors, à un moment donné, ça devient correct. Là, mais sinon, bon, donc là, on a réussi la nuit, donc soit je m'achète une autre tourelle, je crois qu'on va s'acheter une autre tourelle, hein, en vrai.
Mais attends, faut que j'aille checker ici. Parce que là, moi, j'ai ça. Mais là, je checker. Ça coûte combien? C'est 2 et soleil et 5 étoiles. Bah, on va se faire. On va s'améliorer la petite base. Enfin, un espace pour passer ici. Je vais mettre une tourelle là. Et je vais mettre un autre mur. Ici, il faut que j'aille un petit espace pour passer, sinon ça va pas le faire. C'est bon. Alors, on est bien protégé. Puis là, je vais m'acheter les mains, parce que les mains, bah, ça sert bien qu'on reste dans le bord. Est-ce qu'ils peuvent passer, non? Et si tu peux. Tac. Donc là, on peut mettre plusieurs épaisseurs de murs, hein, bien sûr. Là, bien sûr, on peut vraiment le placer n'importe où. C'est pas comme dans mon. Dans Yetanator Défense, il y a des petits carreaux. On peut vraiment pas le placer n'importe où, mais là, oui, on peut le placer n'importe où. J'ai plus beaucoup de balles, mais ça donne bien, la nuit est terminée. Bon, donc, je m'achète, ben, attends, je vais aller checker, je me souviens même plus, 110, c'est assez cher. Ben, on va s'acheter des balles, hein. 200, puis on va s'acheter quoi d'autre? Je vais m'acheter une petite tourelle. Est-ce que tu crois que si je la mets là, je peux passer? Moi, je crois que. Je peux pas passer, mais je peux passer ici. Et je peux passer ici. En tout cas. On va essayer de mettre ça pour qu'on. Pour passer. Je vais checker toutes les soleils. Je peux pas les prendre, bien sûr. Ah, oh, bah attends, je peux me mettre comme ça. Ouais. Ouais, ça va, hein. Les oreilles sont plutôt fortes. Mais en vrai, je vais la laisser de même parce que ça va. Faut juste que je m'achète les mains puis c'est pas correct. Parce que là je fais rien, hein. Je fais juste. C'est juste mes tourelles qui font attaquer. Donc voilà. Oh shit. Donc on pourra s'acheter d'autres armes, comme je vous l'ai dit. Et toutes. Voilà. C'est bon. Donc ça commence à vraiment se faire péter, mais genre tellement. Donc on va réparer pour un soleil. Aussi grave. Il faudra que je mette une autre tourelle, obligé parce que sinon, voilà. Oh shit, je peux pas passer. Parce qu'il faut au moins que je peux passer à une place ou deux. Donc on veut juste décaler un petit peu la tourelle, juste pour que je sois capable de passer. Genre parce que ici, oui, je peux passer, mais je passe pas souvent ici. Hein. Ça sert un petit peu à rien.
Donc moi je pense ici et là. Mais là, bah maintenant je peux me mettre juste comme ça parce que c'est bien vrai. Bon, bah là on va s'acheter des balles. Voilà. Et on pourrait s'acheter. Bah, je peux quand même acheter de la vie sinon. Ou je peux peut-être prendre une petite recherche. Mais je crois que bah, je peux prendre ça. Mais... un big shot. Ok, bah ça en vrai ça m'intéresse. Ça coûte juste un petit peu cher. Donc on va. Après je pourrais acheter mon affaire. Ah j'avoue, il faut que je m'achète les mains. Mais c'est pas grave, je vais m'acheter les mains après parce que. En vrai. J'ai besoin de les mains si je reste dans ma base. Oh shit. Ok, ouais, après j'ai besoin de vie. Bon, je sais, je sors beaucoup, mais c'est pour aller chercher toutes les étoiles. Là, il y a des nouveaux monstres. Là, c'est des petits chiens là, qui courent plus vite, mais ils sont vraiment moins résistants. Mais ils sont deux. C'est bon. Non! J'ai raté mon étoile. Bon, ok, bah maintenant, on peut sûrement s'acheter les mains. Bon, deux. Et deux, c'est ça. Voilà. Et là, bah, je peux m'acheter. En vrai, je devrais peut-être m'acheter les medium wall. Ben, en vrai, on va acheter ça après parce que là, j'ai besoin de la medium tourelle. Voilà. Et là, ben, je peux pas l'acheter parce qu'il manque des étoiles. Mais c'est pas grave. Bon, là, je vais m'acheter juste de la vie. Voilà. Et des balles. Ouais. Et là, ben on start la nuit 7. Qu'est-ce qui est cool dans ce jeu-là? Les tourelles, ils n'ont pas besoin de que je leur achète des munitions. Oh. Là. Il y a un nouveau big monstre. Lui, il fait très mal, ce monstre. Mais il est très lent. Et il est quand même assez résistant. Et ben, il est plus résistant que les autres. Donc voilà. Là, il va bientôt arriver ce big. Je suis sûre qu'il va bientôt revenir. C'est beau. Ok, c'est bon. Bon, par contre, je vais m'acheter un nouveau gun, parce que ce gun-là, il est correct, mais c'est pas mon préféré. Adjoy. Bon, j'ai besoin d'améliorer mes moules. De les réparer, plutôt. Bon, bah là, on peut s'acheter les moules. Voilà. Et là, je peux upgrader. Puis je vais réparer ça. Puis lui, oh, je peux voir ça. C'est pas grave. De toute façon, là, on a 4 tourelles. Mais checker, en vrai, c'est bien, ces tourelles-là. Bon, j'ai quand même besoin
Je les ai deux, mais... Hier, j'ai perdu juste une game, juste à cause que j'avais plus de munitions. Donc en vrai, il faut tout le temps avoir beaucoup de munitions, à part que vous avez beaucoup de tourelles. Ça se fait automatique, mais... Sinon... Bof. C'est bon. C'est pour ça qu'il faut économiser nos munitions. Bon, lui a 300. 200, ouf! Là. Bah, j'ai besoin de ça, mais là, je peux pas tout de suite. C'est vrai, j'ai une medium wall. Bon, je peux sûrement pas le. Ah, bah oui, je peux le upgrade. Bah, attends, on va le upgrade. Plus après, il se met. Oh my god, 1200. Et ben on va toutes les upgrades, hein. À part lui, de toute façon, j'ai pas assez. Et de toute façon, il arrive même pas de ce bord-là. Il arrive juste de ce bord-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Bah là, déjà, on a des bons murs. 1200 de vie. On a des bonnes tourelles. Il faut juste que je m'achète cette technologie-là pour avoir 9 soleils chaque jour. Et je vais m'acheter des balles. Voilà. Et let's go. C'est la nuit 9. Là, il faudra vraiment faire attention parce que la nuit 10, c'est pas mal. Bah, c'est la nuit de singe. Parce que c'est une nuit rouge, toute rouge. Vous allez voir. C'est la plus compliquée, pas mal. Donc, le jeu, bah, il coûte à peu près 30 euros. À peu près, hein, parce que je sais pas, moi, j'habite pas en France. Hein. Puis il coûte 18$, mais je crois qu'il est en rabais de 30%. Donc voilà, c'est pour ça qu'il coûte 18 normalement, je crois. Bah, en tout cas, je sais pas combien que ça coûte, mais. En vrai, je crois qu'il est en rabais. Puis s'il est en rabais, je crois que normalement il coûte 33$. En France, il doit coûter 30$. Donc voilà, parce que je sais qu'il y a des Français qui checkent mes vidéos, donc voilà. Voilà, donc là, le 10 est en rouge, parce que c'est la nuit de... je sais pas quoi. Bon, là, il faudra vraiment... Attends, là, nos murs sont pas incorrects. J'ai perdu comme un lit. Voilà, c'est bon. Donc là, il faudra juste... Bah déjà, on va améliorer nos tourelles. Comme ça. Et là, je vais m'acheter des balles. Voilà, donc là c'est rouge. Là ça fait pas en vrai. Donc là, la nuit de ça, on est mieux d'attaquer. Oh my god, Paulie. Le cas que vous voyez un big comme je viens juste de voir là, attaquer-le. Et je vois rien, mon gars. C'est pour ça que c'est mieux de se mettre au milieu en vrai. Parce que sinon on voit carrément rien. Bon, vrai, mon record c'est 16. 11, je veux dire. Aïe. Ouais. Bon, en vrai, ça passe parce que j'ai des morts améliorés puis j'ai des tourelles améliorées. En plus, je pourrais m'acheter mon truc pour avoir un soleil de plus. C'est bon, la nuit est bientôt terminée, mais j'ai plus de munitions. C'est peut-être mieux d'économiser. Thank you.
Ah, c'est bon. Donc là, déjà, on va s'acheter ça. Voilà. Je vais m'acheter... je pourrais regarder ça pour 3. Est-ce que je le fais? Bah, en vrai, y a rien qui attaque là quasiment. Mais je vais quand même regarder. Et bah, je vais. Que je fais. Puis bah je vais acheter une autre. Oh bah je peux pas. Bah c'est pas grave, je vais juste aller checker ici. Pour parce que je veux seul. Sans... Okay. On va s'acheter des médias. Donc les amis, ça va être la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous l'aurez aimé. Donc n'oubliez pas de liker, vous abonner et bah, de commenter et tout. Et ben bah, voilà, donc je vais sûrement pas refaire de vidéo de toute façon. Bah peut-être, mais je sais que je vais bientôt crever en vrai. Donc normalement je fais juste tout le temps un épisode. Donc ça veut juste être... voilà. Je vais refaire des vidéos, mais si je refais des vidéos, on va recommencer puis tout parce que... Puis on va se faire d'autres bases puis tout parce qu'en vrai... c'est moi je veux jouer dans mon jeu puis tout. Et puis en plus, vu que quand on crève, on recommence. Donc je pourrais pas faire tant d'épisodes. En plus, je suis nuit 11 là. Puis je suis mort l'autre fois nuit 11, donc voilà, je pourrais pas faire tant de vidéos. Donc ciao!